Mardi 19 juin 2018, le ministère Santé publique et population lancé officiellement premier document politique national laboratoire dans le pays d'Haïti. Ministre Santé publique, Dr. Marie-Greta Roy Clément, fait qu'on est, document ça pour le servir pour permettre des bons gens diagnostiques et puis développer le système santé publique. Que ce document contribuera au développement harmonieux du secteur diagnostique et sera le cadre de référence des intervenants présents et futurs de ce dit secteur. Il contribuera aussi à l'amélioration de l'offre des soins de santé de qualité. Tout en souhaitant un plein épanouissement au secteur des laboratoires, je déclare le document concernant la politique nationale des laboratoires d'Haïti, document de développement de la santé publique d'Haïti. Directeur général MSPPA, Dr. Lauré Adrien Soubopal, mandé pour partenaires et tout l'autre cadre et direction du ministère du Travail pour appliquer la politique nationale laboratoire. Je vous exhorte donc tous, collaborateurs, amis, partenaires, à mettre en place, à mettre en œuvre et à faire respecter ces politiques et ces règlements et ces plans. Directeur laboratoire national santé publique là, Dr. Jacques Bonsi, avec directeur épidémiologie laboratoire et recherche là, Dr. Patrick Deli, quoi diagnostic c'est une étape importante pour garantir santé aux malades. Dr. Bonsi, Soubopal, te profite parler sous histoire laboratoire dans le pays d'Haïti. La pratique de la biologie médicale en Haïti ne date pas d'aujourd'hui. C'est en effet en 1905 que le docteur Léon Audin crée le premier laboratoire de bactériologie à Port-au-Prince et inaugure l'usage du laboratoire dans le diagnostic. Par la suite, d'autres laboratoires seront développés. Un diagnostic est une étape incontournable pour garantir des soins adaptés et efficaces aux patients. Une activité qui s'est déroulée en présence de plusieurs diplomates, plusieurs anciens ministres et directeurs généraux MSPP, quelques partenaires techniques et financiers ministères.